La vidéo ce sera il me fait perdre ma perfect game. J'aurais pu perfect game mais ça tourne mal. Il veut contrecarrer mes vues sur YouTube. Je sais pas, j'ai plein de titres qui me viennent en tête. Hein. Ah, Star Cluster. T'as 3 upgrades, ouais, là t'en avais une. Il y a un ZX2 avec une baguette. Il y a un ZX2 baguette, personne ne veut. Quoi? C'est le top pick ça. J'avais trop faim. Fallait que je mange un truc vite fait. Je me suis fait un petit sandwich. Blitz. Est-ce que Blitz c'est pas mieux là? Si, il est mieux. Nice. Prendre ça. Là, je sais pas. Je pense que Chrono est mieux en fait. J'arrive. Chrono est 100 fois mieux ici. BF non? Sinon on peut commencer un red buff. Heureux. Ouais. Je reviens ta santé. Nice, je prends chaîne. Je prends chaîne pour Chrono. J'ai pas trop eu le... Ouf. Ah bah là. Oh my god. Et je me demande si c'est quand même pas ça le meilleur niveau 5. C'est une question de qu'est-ce qui est mieux tu vois. Je pense le 2 truc il est quand même cool quoi. T'as du den derrière avec des X. Non mais là j'ai un early débile. Hein. Ouais là c'est trop strong. Attends, juste quitter rapidement. Plutôt à gauche. Là en gros l'idée c'est que soit je vends un truc pour passer à 20 gold, soit je peux prendre la paire de chaînes tu vois. Et ça m'open Blademaster si jamais j'ai une spat. Ça peut être cool de prendre la paire de chaînes, juste pour dire. Fais ce que tu veux faire. J'ai envie de prendre une paire de chaînes. Et même okay, la paire de Xe. C'est que, en gros, je l'aurais pas prise parce qu'il y a beaucoup de chronos qui peuvent arriver, mais tu vas pas se push. Et que ça te bouffe un peu ton écho, mais c'est un bête. C'est-à-dire que s'il passe 2, c'est rentable. Mais voilà. Ça me dérange pas quand j'ai une win streak aussi énervée et un board aussi strong de perdre un peu d'écho pour continuer à win streak. Parce que chaîne 2, bah. Insta win. Là, je prends pas les Xe par contre. Ah, c'est lourd les golds. Je vais vendre un coq, je pense. Et je vais faire Jane Slayer. Alors juste moi je trouve que Jane Slayer c'est pas un bon item sur Z. Mais si tu veux snowball et que tu donnes ça à Jinx c'est ok. Bah je vais donner à Jinx en fait. Elle va proc avec Blitz, avec Ziggs, etc. Et derrière elle va distribuer des patates tu vois et le Jane Slayer amplifie les dégâts d'IE. Non je pense que je vais le faire en tous les cas, c'est rien que pour les stats aussi. Plus d'attaque speed. Non c'est bien, c'est un spike, hein. Ça fait quand même 40-50 dégâts en plus, c'est vraiment pas déconnant hein, mais... J'ai une win streak énervée, c'est tellement strong mon setup que... Ouais c'est bien. Tu vois, c'est là où je te disais que la Kite utilisait et le Shen sert à rien tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est un rapport entre le nombre de champions agressifs que t'as et Jinx 2 au 5. Il avait peut-être double Nico, mais elle va crever sa Jinx 2. Que j'ai un Z, game over. Dommage. Il fait quoi dans sa game? Il joue avec son caca là, on est d'accord. Pourquoi il a 37 HP là? J'ai pas compris sa game. Mais là, tu circules en fait. Non, la tarte qu'il a mis sur V. Ouais. Quand t'as Z2 avec IE, c'est pas mal. J'avoue que c'est peut-être juste Z Jane Slayer qui est pas ouf. Et là, on va essayer de faire un red buff, mais. Mais sur Amas d'étoiles, pour moi, c'est toujours les golds. Genre, en fait, c'est rare que je prenne pas les golds, et même si ça fucked up un peu mes items. Genre, juste on te donne 8 golds d'un coup, c'est genre tellement piqué.
Je pense que je vais juste rajouter un buff rebelle et ça fait un peu de frontline. Après le 4 brawler, je l'aurais mis à 100% si j'avais déjà chrono, mais le top du top ça aurait été un deuxième Malphite 2. Ça aurait été incroyable. Ouf. Oh le Z. Oh my god. What the fuck. Je peux pas le refuser. Hein. Je pense que je joue jamais 4 brawler ici, on est d'accord. Non. Il y a quand même pas mal de magie. J'ai vu des Morello, des. Là, pour moi, t'as un setup de 2-2-2-2-2. Ouais, mais est-ce que c'est Soraka Lulu ou Soraka Karma? Bon, jamais Lulu. Tant qu'il la buff pas. Là. Moi, je joue pas Lulu perso. Donc, moi, je la prendrais. Je trouve que ce champion est terriblement nul. Après, des games comme ça, y en a pas souvent quoi. J'ai vraiment Hyrule comme import. Ça, c'est free. Prends Yasuo quand même pour le tir web. Ouais, c'est vrai. Là, en gros, là, le jeu, il te dit, frérot, tu fais au moins top 4. Pour moi, c'est plus une game écho que Jinx, parce que c'est Jinx, évidemment. Non, mais là, j'ai Red Buff, là, c'est Red Buff. Je vais le mettre sur Z, hein, pas de raison. J'ai Allez. Un Fi, et Ezreal. Je crois que je push tous les jours. Ouais, tu push. Mais je pense que tu te le roll au 8, je sais pas ce que t'en penses. Je vais vendre Nocturne, ça, c'est sûr. Je vais mettre Fizz à la place. Et je vais mettre un Gnar. Et je chill en fait. Sinon il y a un truc très toxique, c'est ça. C'est 100% que tu joues Soraka dans ce lobby. Genre t'as 2 Soraka, t'es fast 8. Alors à ce moment là je vends les Yasuo. Ouais. Tu vas jouer un truc du style... Bah je joue pas si rebelle si je fais ça. Pour moi c'est Jinx, Ez, Soraka, Aurelion et compagnie. Mais juste... Ok là j'ai beaucoup de paires et je me dis que ça peut être cool de roll vite fait jusque 40. T'as que 2 paires hein. Bon ça suffit. Bien joué. T'as la karma aussi. Et t'as full rebelle. Ouais, parfait, j'aurais fait ça aussi. Tu peux jouer en 4 chronos avec Wukong. En fait, tu fais Jinx, Ez, Thresh, Wukong, 2 mystiques et 2 brawlers. Du coup, je joue pas Ziggs, mais Aurelion seul. Quoi. Je garde Ziggs jusqu'à Aurelion seul. Exactement. Vu comme je continue à snowball, j'ai de garder la paire de Yi et Yasuo et de garder l'option 6 rebelle parce que c'est vraiment broken. T'as des choix de luxe, hein, tu peux y aller. Après, comme tu vas arriver en ultra light à 100 PV, le écho est... Oh my god. Attends. Je pense que tu peux cut Karma. Karma. Bah, t'as quand même Gnar frontline. Je le mets en solo, non? Non. Là, t'as aucun rôle level 8. Et du coup, c'est plus une game Jinx, c'est une game écho, je sais pas ce que t'en penses. Qui prend le Genster, écho? Ouais, quoi. Du coup, c'est Echo Fizz. Bah, attends, je vais essayer de te la faire sur l'all checks. Je peux te montrer sur le Discord. Mais c'est genre un 2-2-2-2 partout quoi. Et sinon Thresh... Thresh, je sais pas quoi en penser. Ah y'a un Echo. Thresh il reste. Je l'aurais jamais. Sinon y'a un Z, y'a un Z2. J'attends le PVE et je te montre la compo que j'imagine. C'est deux brawlers et ce que t'as dit tout à l'heure. Hein. Echo, Vi, Iredia. Avec deux mystiques, Thresh. Je l'ai joué cet après-midi. Je crois que je viens de trouver un Echo mec. Bon. Je fais le swap tu penses? C'est close call. Sinon je peux mettre Echo et du coup je vire Malphite et je mets Karma à la place. Et je gagne Mystique. Je change pas une équipe qui gagne ouais. Ok, armure Gnar, non? Tous les jours. Oui. Sur qui elle peut aller l'armure? Change gardien, Shroud. Tous les items iront sur Gnar. Tous les items armure sont toujours sur Gnar. Tu peux avoir des défenses du coup vite fait? Tu vois? Va Gnar. Ouais. Là c'est où? Ok bah c'est bon. Mais ouais. Je me focus. Tu regardes tes rôles, mais plus ça c'est. Pour moi, genre supra strong. Et t'as tout parti pour. Est-ce que tu push Karma ou jamais de la vie ici? Ça dépend si tu veux les 100 PV et vidéo YouTube. Mais sinon, en off-cœur, je veux pas. Vidéo YouTube. Et que les viewers disent, j'étais là. Echo 1 peut-être meilleur que Fizz 1, donc j'ai swap. Echo veut porter la game de Jinx dans ce setup-là. Oh là là. En fait, t'as ta Spectre et tout. Oh là là, le Jensler contre le mecha. Non, il a Rari 3, c'est quoi ça? Ah, la vidéo YouTube. Voilà, ça avec Mystique, vidéo YouTube sans HP. Voilà, t'es responsable. T'as gagné 5 gold en échange de ça. La vidéo ce sera, il me fait perdre ma perfect game. Janna j'ai pas Ionic donc non. Mais y'a pas de raison de pas l'acheter parce que j'ai un Thresh. J'aurais pu perfect game mais ça tourne mal. Mais t'aurais pas pu. Économise, fais ton Echo 2, Thresh 2, fais un bon avec Urgot. Il veut contrecarrer mes vues sur YouTube. Je sais pas, j'ai plein de titres qui me viennent en tête. Hein. Alors là, j'ai encore 2 rounds. En fait, c'est pas grave, ta game, tu peux. Deux rounds en comptant celui-là ou pas? Non. Quoi? Attends, mais je comprends plus rien. En fait, là, maintenant, t'es en off-curve.
t'as ouais. trop d'avance. Et dans un round, je suis on curve. Voilà, ça, ouais. Donc deux runes en comptant. Ok, en là. Comptant le PV, c'est ce que je demandais. Ouais, ouais. En tout cas, Ziggs, je vais le cut. Moi, je suis Fizz, hein, tous les jours. Sur Fizz ? Ah, il a un ratio de port AP, hein. Beaucoup plus qu'Aurélien. Aurélien part de 175. Fizz, 300, 400, hein, qui est multiple card. Ok. Oh non, il y a encore un mecha. Ah, oh, attends, Fizz. Fizz. Il y a un Vitor. Attends, Malphite. La claque, trop tard. Malphite carré. En vrai, je perds pas beaucoup de points de vie. Le S peut rentrer au début. Je vais juste tout prendre. Ouais, je pense que chill un peu, roll pas tout, Imo. Ouais, fais ça et Karma. Parce que tu vas vraiment avoir besoin de gold. T'as besoin d'Echo 2, t'as besoin du banc, t'as besoin de Irelia 2, de Vi 2. Et. Quoi ? Non, super. Est-ce que je joue vraiment Jinx là ? Non. Ta compo level 2 avec un Bencher God qui écrase le lobby. Hein. Genre, soit tu rolls maintenant et t'assures un top 4, soit en fait, ça dépend en fait à quel point le boss final de la game à part toi est fort. Ouais, si... je remonte l'écho. Ouais, tu prends les couilles, genre perds encore 2-3 rounds. Pff, rien. Tu massacres les gens. Mais Aurélion Sol fait une diff de fou là. Je regarde que l'Aurélion Sol depuis tout à l'heure. Je te jure qu'il fait des dingueries. Hein. Ah, c'est fou, il hein. empêche les gens de cast et. Le jeu il passe très bien, mais sinon il y a Bramble qui passe bien. Runan avec des mana river, j'aime bien. Je crois que c'est un Runan Irelia là. Attends, ça va sur qui? C'est qui dégage? Bah, qui dégage tout. Ok. Je vends Blitz ou je le veux pour le bench? Parce que là mon bench il est tellement détruit, je m'en fous un peu. Thresh c'est plus pour mana river qu'autre chose. Hein. Jinx ou Kong Fizz vont pas rentrer. Là c'est des choix de luxe. Hein. C'est quand même cool vu le nombre de casters. J'ai envie de prendre Urgot pour le bench. Ouais, oui. Parfait. Ah, il ouais, Fizz Rabadon, cool. Hein. L'ami Rabadon, ça va pour une fois. Et il balance la veine sur mon Z. Ouais. Ouais, et... là, le problème, entre guillemets, c'est que j'ai toujours un Z carry et ça commence à être vraiment faible. Bah, depuis le full step 5, faible, mais. Et level 9, 60 gold. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais. Si, je m'en rends bien compte. Mais. Je me demande si je devrais pas swap sur Echo 1. Ouais, ouais. C'est le moment où il faut hit. Et le Aurélien Sol, il peut dégager aussi. Hein. Tu peux, ouais. C'est ce qui passe de. Roll un peu maintenant, non ? Ton gueule. Qui prend le Luden ? Fizz ? Ouais, il peut, largement. Red, oh, aïe! Pour les stats. Bah, Luden Vi alors. Ouais, maintenant oui. On s'en fout. Je troll pour le raid. Hein. Devant le Jinx à droite? Oui. Faut vraiment que tu roll down 0 et que tu sois level 2. Mais là, t'es. Tu crois jouer Jinx et finalement tu joues Echo avec Mythique et Cyber. C'est. Trop sexy. Après, tu peux prendre le Lulu 2 à la place de faire battre si maintenant c'est ok à ce stade là. Et surtout un bench. Moi généralement je vends tout juste pour Urgot. Hein. J'aurais dû refaire un Gnar et mettre l'armure sur Vi en vrai. Je préfère comme la rédemption sur Gnar. Juste si t'as Echo 2, c'est un hommage sur les runes. Genre. Je pense qu'à ce stade, Echo 1 ou 2, ça ne change plus grand chose en vrai. Je suis contrarié. Tu connais l'histoire du Aurélien Salbench? C'est un problème de luxe, hein, là c'est... c'est. Tu vas faire du shopping chez HM avec 100 000 euros. tu peux voir le truc comme ça. Oh le fiche. Je pense qu'il y a un truc faisable sur Medium Legends, maybe se diriger sur ça, mais. Ça, la map elle va être supprimée anyway. Bon, après, je vais pas te mentir, même si j'étais parti de Jinx, j'aurais top 1, tu vois.
En fait, le piège de cette comp, c'est que ça te donne envie de la rejouer derrière. Tu veux jamais la rejouer. Oui. Non, ouais, elle était cool cette game.